crois que c'est là. Ouais, pareil, c'est sûr que c'est là. Oui, c'est bon, c'est là. Ok. Bon bah Swan, t'es le numéro 218, moi je suis le... 456 du coup. Ouais bon bah on est pareil hein. Ouais, c'est parti. Que le meilleur gagne. Bonjour, numéro 456 et numéro 218. Je voudrais vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous. Merci. Merci. Tout le monde ici va participer à 6 jeux différents. Celui qui sortira vainqueur de ces jeux remportera un énorme cadeau. Le cadeau de votre vie. Une pluie de chocolat. Un pain de chocolat. L'autre candidat sera éliminé. Première épreuve. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil? Mais je connais ce jeu. Comme quand on était petit, bah trop simple. Bah trop cool, ouais. Les règles de ce jeu sont simples. Vous devez avancer jusqu'au mur qui se trouve derrière moi et toucher le mur. Lorsque vous entendez le mot soleil, vous devez vous immobiliser. Si vous bougez, vous recommencez. Vous avez 5 minutes pour toucher le mur. Si vous ne touchez pas le mur, vous êtes éliminé. Bonne chance à tous. Non mais attendez, mais j'ai pas bougé, moi j'ai rien fait, non, monsieur le garde. Oh. Non, mais s'il vous plaît, non, mais c'est une blague, on peut refaire, non, c'est pas vrai. Non, tu veux bouger? Non, tu vas bouger, soyez moi, oui, yes. C'est bon, j'ai réussi, oui. À la prochaine. Oh là, c'était chaud. On a réussi tous les deux, yes. Yeah. Bah, du coup, un point chacun. Ouais, c'est ça. C'était hyper dur cette première épreuve. Ouais, franchement, moi je m'attendais à rien. Et en fait, c'était hyper dur. Il m'a ramené plein de fois, j'ai cru que c'était fini. Franchement, heureusement que je t'ai agrippé la dernière fois. Hein. Sinon, tu serais passé direct. Hein. Ah bah oui, là j'aurais direct gagné, ça t'aurait perdu là. Hein. Ils ont réussi la première épreuve. Passons maintenant à la deuxième. Bon, apparemment, Swan, c'est le moment de la deuxième épreuve là. T'es prêt? Bah ouais, je suis chaud bouillant là. Et cette fois-ci, c'est moi qui vais gagner en premier. Je sais pas à quoi m'attendre du tout par contre. Ouais. Pour cette deuxième épreuve, vous allez choisir un gâteau. Oh, c'est vrai? Il y a une dégustation, je peux en régaler. Léo, je suis pas sûr. Hein. Quoi? Bah oui, on va manger des gâteaux. Et on va faire quoi avec les gâteaux? Il y aura 4 gâteaux différents. 4 formes différentes. Oh. Il y a un gâteau en forme d'étoile. Il est beau. Oh. Un gâteau en forme de roue. Ok. Un gâteau en forme de triangle. Je vais régaler. Et enfin, un gâteau en forme de parapluie. Et l'épreuve, c'est quoi? Genre, faut juste y manger? Oui. Vous allez choisir au hasard un gâteau. Avec l'aiguille qui est dans la boîte, il faudra séparer la forme du reste du gâteau. Si vous parvenez à réussir cette épreuve, vous mangerez le gâteau. Oui, yes! Dans le cas contraire, vous serez éliminé. C'est parti. Ok, bah du coup, qui commence à choisir? Shifumi. Shifumi. Shifumi.
Hey, hey. Allez, moi je prends celle-là. Bah moi je vais prendre celle-là. Très bien. Et on va... Oh, j'ai le rond. J'ai le triangle. Oh, ça va. Vous avez 10 minutes. Eh, on t'a dit de pas manger tout de suite le gâteau, c'est si tu gagnes. Laisse-moi me concentrer, c'est une technique là. Non mais il est impossible à... Il est impossible à détourner ce biscuit. Oh, oh c'est bon, j'ai réussi. Yes, j'ai réussi. Du coup ça veut dire que je peux manger le gâteau. C'est pas vrai, non, 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 non. Il me reste une minute. Ça va Léo? Arrête de mettre la pression là, ça va. Ouais monsieur garde, j'ai le gâteau. Yes, yeah, je peux manger. Bon, bah je prends ça pour un oui. Hein. Trop bon. C'est le moment de vérité. Ok. Allez, le dernier morceau. Allez, allez. Allez, oui, oui, j'ai réussi, Swan, moi aussi, j'ai réussi, oui. Alors, maître du jeu, regardez ça, c'est validé, yes, merci, allez. Le meilleur moment de ce jeu. Ah, le bon goût de la victoire. Bon, maintenant qu'on a pris le petit goûter, troisième épreuve. C'est parti. La troisième épreuve, c'est l'épreuve de la corde. Vous allez tenir chacun une extrémité de la corde. D'accord. Pour équilibrer cette épreuve, joueur numéro 456, vous n'utiliserez qu'une seule main. La main la plus faible. Joueur numéro 218, vous aurez droit aux deux mains. Oh, trop bien. Positionnez-vous. Ok. La limite est ici. Ok, là. Vous devrez attirer votre adversaire de l'autre côté de la limite. 3, 2, 1, top! Merci, merci! Je sens en rythme avec moi-même. Ouais, ouais, c'est chaud! Oh, c'est une perdure! Non, non, non! Non! Je vais y arriver. Yes, j'ai gagné cette épreuve. Allez, à moi le gros cadeau. Joueur numéro 218, vous êtes éliminé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'épreuve numéro 4, je sais pas pourquoi on me fait rentrer là-dedans. Ouais, mais... Épreuve numéro 4, les billes. Oh, les billes, j'ai joué en CP, c'est trop bien. C'est cool, on connaît bien ça, ça explique ici. Dans cette étrangle, vous aurez 10 billes chacun. D'accord. Vous allez vous affronter avec différents jeux. Le principe, c'est de récupérer les 10 billes de son adversaire. Celui qui récupérera les 10 billes de son adversaire sera vainqueur. Celui qui échouera sera éliminé. À mon époque, j'étais un pro des billes, donc là, je vais t'atomiser. Bon, moi, en vrai, je pense que c'est moi qui vais t'atomiser. Voici les 10 billes pour chacun des adversaires. Ok, du coup, on a 10 billes chacun. D'accord, c'est parti. Bah, du coup, mais où on joue à quoi comme jeu? Kifumi. Kifumi. Pardon. Ok, tu veux qu'on commence par quoi? Bah, celui genre, on doit toucher les billes de l'adversaire. Swan, avant de commencer, si jamais un ou deux touche la bille de l'autre, il va la gagner et en plus de ça, on gagne trois autres. Et le premier tour ne compte pas, c'est-à-dire que le premier tour ne va pas toucher la bille de l'autre. Shifumi. Allez, c'est moi qui commence. Ah, d'accord. Allez, d'accord. Je vois, je vois. Oh non. Oh, le tour ne compte pas. Ah, le tour vient de se terminer. Maintenant, ça commence. Je vois bien qu'il va gagner. J'ai gagné. Allez, je veux deux autres billes, enfin trois autres billes, pardon. Pas 12, hein.
Merci, Tissot, t'es vraiment très généreux. Ah, je vais avoir. Allez, on en refait une. Non, on va changer de jeu plutôt. Bon, Néo, on passe aux jeux de chance. Très bien. Je vais t'expliquer les règles. Genre là, je prends un nombre aléatoire de billes. Paire ou impair, est-ce que mon nombre de billes dans ma main est pair ou impair? Oh là, c'est que du hasard, ça va. Ouais. Paire. Ça ouvre la main, quoi. 3. Impair. Ça doit être 3 billes, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça. Oh là là, bon, tiens, mal. Vas-y. Mais c'est, là, c'est du tutoriel. T'inquiète. Ah, c'est du tutoriel, ah d'accord, merci, ok, c'est sympa. Tu peux commencer, vas-y, je te laisse. Très bien, ok. Allez, pair ou impair? Impair. On est 5. 5, c'est impair. Oh non, c'est pas possible. Tiens. Mais il a trop de chance, moi, il a trop trop là. Oh là là, ça commence à m'énerver. Est-ce que tu voudrais pas changer de jeu? On a fait une dernière, une dernière. Ok, d'accord. Père ou impair? Père. Père? Oups, dommage, hein, c'est impair, tu me vois une bille. On fait un autre jeu tout de suite. Ok, d'accord. Bon, ça, maintenant, le prochain jeu, c'est très simple. On va faire le jeu de celui qui rapproche le plus sa bille du mur. Pour l'instant, on va miser une seule bille, ça te va? Ok, ouais, ouais. On mise une seule. Non, non! À toi. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là. Non! J'ai gagné. Du coup, je prends ta vie. T'as gagné une vie. Oh, c'est pas vrai. Hop là. Ce qu'on fait, c'est la même épreuve, mais cette fois, on mise toutes tes vies, ok? Toutes tes vies? Oui, toutes. T'es prêt là? Bon, qui fout mi pour savoir qui commence? J'ai fout mi. J'ai fout mi. Allez. Non, je me tiens sans tête, mon Dieu. Non, vas-y, c'est parfait. Une pitch le mur, oh là là. Bon, oh, attends, déjà, j'ai dû faire ça. Non. Le problème, c'est que tu as quelque chose qui me revient. C'est pas vrai. Non. Et voilà, j'ai les mains billes. J'ai perdu. Oh là là. Et ouais, j'ai gagné. Bon, tant pis, hein, j'ai perdu l'épreuve. Bon, bah, je vais pouvoir me rattraper pour la suite, je pense. Hein. Ouais, je croise les doigts là, je me mets à fond. Ah non, non. Épreuve numéro 5, le pont de verre. Pour cette épreuve, vous allez devoir franchir le pont de verre. Si rien ne se passe lorsque vous posez le pied sur une dalle, c'est que vous pouvez continuer. Si la dalle se déclenche et émet un son, vous devez retourner à la case départ. Oula, ça va être chaud. Ça va être tellement chaud. Vous avez 3 minutes pour traverser le pont de verre. Si vous y parvenez, vous marquez un point. Si c'est un échec, vous êtes éliminé. Bonne chance à tous. Voici le pont de verre. Qui commence cette épreuve? Shifumi. Shifumi. Ah, tu commences. C'est bon, oh la chance que j'ai eue, oui. Swan, s'il te plaît, tu peux m'aider? Et à gauche peut-être? Ok, merci Swan. Non, c'était pas ça Swan. Tu m'as trahi. Non, non. Et à moi je trahis à gauche. Oh oh, yes. Non. Ok. Voilà. Oui, oui, c'est la bonne, c'est la bonne. Non, yeah. Non. Oh. Yeah. Non. Non. Non, 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 non. Et après, soit c'était quoi après déjà? Il me semble que c'était tout devant. Tout devant? Non. Frère. On était frères. Yeah. Non. Oh, non, non, non. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Oui, yes. Oui, yes. Oui. Ouf, ouf, ça sera 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oui, yes, j'ai réussi. Bon, allez, j'y vais. La chance. Oh yes, yes. Non, mais c'est yes. Bon. Non, mais c'est bon. Ah ah! Alors?
Non. Yes. Ah. Oh. Oh. Ouh. Oh là là, ça va? Ça va? Oh. Oui. Oh. Oui. 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 Bravo. Comme c'était dur ça, oh là comme là. C'était chaud. Bon, ce n'est 5 premières épreuves, là c'était vraiment dur. La dernière, je sais pas du tout ce qui nous prépare. Ouais, j'espère que c'est pas trop difficile. Et surtout, j'espère que je vais gagner. Hein. C'est moi qui vais gagner. Sixième et dernière épreuve, le Squid Game. Pour cette épreuve, nous allons utiliser notre mascotte. Vous devrez toujours, toujours, toujours rester en contact avec le poutre, avec n'importe quelle partie de votre corps. Joueur numéro 456, vous n'aurez droit qu'à une seule main, la main droite. Oh, oh non, ok. Joueur numéro 218, vous pourrez utiliser vos deux mains. Oh là là, Léo, j'ai gagné cette profession. Moi, je peux faire ça, Swan. Ouais, c'est vrai. Vous tenterez de déstabiliser votre adversaire. Ah d'accord. Le premier qui est éloigné du poutre est éliminé. Bonne chance à tous. Ok, ah, c'est l'épreuve. Ça se met du corps à corps. C'est sûr, ça va être difficile. 3, 2, 1, que départ. Oh, c'est super dur, comment je fais moi? Non, non, non. Je vais raccrocher. Là, je suis toujours en contact avec quelqu'un comme ça. Allez, lâche-moi ça. Allez. Chatouille. Allez, on piège. Jamais. Voilà. Non, je vais pas faire des chatouilles. Léo, lâche-moi, sérieux. Jamais. Ah. 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 Non. 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 Joueur numéro 456, vous êtes éliminé. Je suis mort de frustration. Yeah, j'ai battu Léo. Et en plus, le truc hyper bien, c'est que j'ai goût faible. Ça va Léo? Est-ce que tu fais bien, dis-moi? Je voulais gagner. Non, non, pitié, non. C'est la fin, j'ai perdu. Non. C'est moi qui ai gagné. Est-ce que ça t'a plu, Swan? Ouais, franchement, c'était génial. Est-ce que t'étais à fond là-dedans? Ouais. Et du coup, à moi la surprise. On a pas gagné. Bravo. Franchement, c'était cool, c'était épique. On s'est donné à fond. Ouais, c'était un truc de malade. C'était trop bien. Il y a eu des méga épreuves. Sous la fin. C'est quoi ta préférée? Ah, peut-être le squid. Le squid à la fin, c'était très drôle. Moi, ouais, le squid, c'était génial. Joueur numéro 218. Vous avez remporté 5 épreuves. Vous êtes donc le vainqueur. Vous gagnez le cadeau de votre vie. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ces cartons? Qu'est-ce que ça peut être? Oh, attends. Il y a des photos de Pop Squid Game. Mais attends, c'est des figurines Squid Game, je crois. Oh, attends, tu peux les ouvrir. Allez, faut les ouvrir, faut les ouvrir. Allez, c'est parti. Oh là là, trop stylé. Regarde. Moi j'ai une figurine, garde triangle. Ah ouais, moi c'est carré. C'est mes figurines, hein, c'est moi qui ai gagné. Hein. On peut partager? Non. Non. Et là j'ai le rond, c'est Swan le rond. Tu veux dire? Bah c'est le soldat qui a le moins de pouvoir. Et si tu continues à dire ça, je t'assomme avec une des figurines. Hein. Oula, attention. Et là, il y a le maître du jeu. Donc moi. Pas. Toi t'es lui. Et moi je suis lui. Tu vois? Oh là là, c'est trop stylé. Elles sont grave ces figurines. Hein. Oh,
Franchement, Néo, elles sont trop stylées, ces girafes. C'est à qui que je préfère? Le maître du jeu, non? Ouais, ouais, ouais. Et toi, aussi que j'aime bien. C'est Laurent, en fait. Non. J'aime bien aussi le carré. Ouais. Non, mais elles sont trop bien. Elles rentrent trop bien. Ça va être une super décoration dans ma chambre. Attends, dans ta chambre? Tu veux dire ma mienne, non? Parce que c'est vrai. C'est mes figurines. Ah, mais on partage pas? Bon, d'accord. Enfin, Néo, c'est toi heureux, hein. T'es éliminé, tu dois même plus être là. Allez, dégage! Qu'est-ce que tu fais, Léo? Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, activez la cloche. Ah bah ouais, bien sûr. Au revoir, gros. Bisous. Au revoir. Zéro. Au revoir tout le monde. Ouais. Un bisou. Allez, bye. Bah, tout dégage.